Cela fait plus d'une semaine que mon PC est allumé et que j'ouvre des ordinateurs tous les jours et il ne reste plus que 1000 ordinateurs. J'en ai eu franchement beaucoup et je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va évidemment en ouvrir pour essayer d'avoir peut-être l'un des derniers. Dans cette vidéo, il y a un méga concours pour gagner un huge computer et j'espère que vous êtes contents. Les gars, vous vous rendez compte? Je vous fais gagner un huge. Il vaut quand même 16 millions de gemmes, c'est pas rien, c'est quand même un huge. Donc dites-moi votre pseudo dans les commentaires pour participer. Et puis dites-moi merci parce que quand même, je pense pas qu'on fera des concours de huge tous les jours. Dans ma dernière vidéo, il y avait un concours pour faire gagner Princesse. Et du coup, parmi tous les commentaires, on va tout de suite tirer au sort le vainqueur. Bon les gars, c'est parti pour le résultat du concours. J'avais un petit peu la flemme de faire comme la dernière fois une roue avec tous les commentaires parce qu'il y avait un milliard de commentaires les gars, c'était trop long. Donc à la place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'URL de la dernière vidéo avec le tigre et on va faire pick random comment. Vous êtes prêts? C'est parti. Et le vainqueur c'est Bre4982. Moi je participe, je kiffe tes vidéos, mon pseudo, moi-même wesh. Ok, et bah voilà le vainqueur. En plus il est très gentil parce qu'il a mis un joli commentaire. Moi je participe, je kiffe tes vidéos. Et ça, ça fait plaisir au lieu de juste les gens qui mettent leurs commentaires. Donc bien joué à toi. Ok les gars, on se retrouve devant la boîte aux lettres juste ici. Et du coup, on va envoyer un petit cadeau. N'oubliez pas, vous pouvez faire pareil vous aussi en écrivant Prince END. Voilà. Mais moi, aujourd'hui, on va écrire le pseudo de l'abonné. Donc moi-même, Wesh123. D'ailleurs, les gars, ne vous trompez surtout pas quand vous mettez votre pseudo. Parce que si vous vous trompez, bah, je vais envoyer le cadeau soit à un inconnu, soit à personne. Princesse, comme vous le voyez. Hop, confirmé. Ça me rend triste. Et du coup, vous êtes prêts, les gars? Envoyez. Est-ce que vous êtes sûr d'envoyer à moi-même, Wesh? Oui. Vous voyez qu'il y a encore Princesse et... Non! Non! Princesse a disparu de mon inventaire. Merci énormément à tous ceux qui me font des cadeaux les gars, ça me fait trop plaisir. Donc si vous voulez participer et passer dans la vidéo cadeau des abonnés, vous pouvez juste écrire Prince avec un P majuscule et END en majuscule comme ceci. Pour tous ceux qui me demandent pour le clan à chaque fois et qui me demandent comment rejoindre le clan etc. Les gars, je suis désolé, malheureusement il n'y a plus de place, il y a beaucoup trop de monde qui veulent rejoindre. Je sais que dans le futur ils pourront agrandir jusqu'à 75 parce que regardez, le maximum c'est 75. Mais en tout cas pour le moment les gars, je suis désolé, c'est mort. Mais si jamais vous êtes très haut niveau, et bah n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, comme ça je pourrais vous garder dans un coin de ma tête. Et puis pourquoi pas rejoindre plus tard le clan. Donc on va s'ouvrir plein d'œufs aujourd'hui. Et ce que l'on va faire les gars, c'est qu'on va s'ouvrir tous les œufs pour voir quel est l'œuf le plus chanceux. Comme vous le voyez, j'ai plein de game pass, de potions, de livres, etc. On va en faire à peu près 10 de chaque je pense. Donc c'est parti pour le premier œuf. Ok, dommage. 2. Mais je sais pas si je vais réussir à compter. Hop, continue. Toujours rien. Pour l'instant le premier œuf c'est pas le plus chanceux. Toujours pas. Oh punaise, c'est galère. Je sais pas on est à combien vu que j'ai pas compté, mais c'est pas grave. On en ouvre. On peut même faire en automatique, vous savez quoi, c'est plus rapide. On a des chats cyborg, des chiens cyborg. J'ai un game pass qui permet de les avoir en doré arc-en-ciel, mais je crois que gratuitement vous pouvez faire la même chose que moi parce que dans les masteries vous pouvez maintenant les avoir. J'ai aussi pas mal de shiny parce que j'ai toutes les reliques shiny, donc c'est plutôt cool. Bon, je pense qu'on a fini le premier œuf, donc on va faire le prochain. On continue avec le deuxième œuf et celui-là les gars c'est l'œuf que j'ai le plus ouvert je pense. Et donc le deuxième c'est le même que le premier mais avec un corgi en plus et un poulet. Donc c'est parti. Celui-là, à chaque fois que je me réveillais le matin les gars, j'avais fini d'ouvrir sur l'œuf numéro 2 et j'avais eu plein de huge etc. C'est vraiment l'œuf le plus chanceux que j'ai eu. Regardez, on vient d'avoir un shiny doré en plus. Ça serait incroyable qu'on en ait un dans cette vidéo. Mais franchement ça m'étonnerait qu'on ait un huge computer dans cette vidéo parce qu'il est tellement rare et en plus il y en a que 1000 maintenant. Donc ça va être très compliqué je pense de l'avoir. Mais bon, au moins j'en ai déjà eu pas mal. Oh, un shiny arc-en-ciel. J'en avais acheté un à quelqu'un, mais le truc c'est que comme je l'avais pas packé moi-même, je ne voulais pas le garder. Du coup bah je l'ai revendu malheureusement. Si tu tombes sur cette vidéo, celui qui m'a vendu le huge, je l'ai revendu parce que je préfère avoir juste mes huge à moi. Ok, le deuxième œuf, pas très chanceux non plus. Même si les gars, comme je vous l'ai dit, moi il m'a porté beaucoup chance. Donc là on n'a pas eu de chance, mais d'habitude moi j'ai beaucoup de trucs. Et on continue avec le troisième. Et le troisième on a un petit écureuil et une petite chauve-souris en plus. Ah, ces œufs là ils sont très lumineux. Il y a beaucoup de jaune, beaucoup d'orange. On remarque directement le changement de couleur. Ok, pas mal. Franchement, ils sont jolis ceux-là. La petite chauve-souris aussi, très jolie, qui a 0,8% de chance pour moi, parce que j'ai plein de livres, etc. Ok, c'est compliqué. Malheureusement, l'œuf numéro 3 n'est pas le bon. On continue avec le quatrième. Et dans le quatrième, on a un cochon et une vache en plus. Donc c'est parti. Ok, on va voir si on va réussir à avoir la vache, même si je l'ai déjà eue. Et voilà, elle est juste là. J'en ai eu deux. Très stylée, la petite vache. Ok, des dorés, des arc-en-ciel, etc. Pourquoi pas. Oh!
Shiny Rainbow. Les gars, je l'avais pas. Incroyable. Celui-là, il peut me porter chance. On y croit. Le quatrième, malheureusement, on a eu un nouveau pet, Shiny Rainbow, mais ça ne m'a pas marché. Ok, le prochain, on a un axolot complètement robot et un poussin complètement robot. Donc, vous voyez un peu la différence. C'est des animaux normaux qui sont à moitié robot et là, c'est entièrement robot. Donc, c'est parti. Let's go. Oula, tremblement de terre de fou, là. Toujours rien. Putain, si j'en aurais un à la fin, ce serait incroyable. J'espère qu'on va voir des trucs bien parce que l'axolot est trop mignon. Un Shiny Rainbow. Ok, mais je l'avais déjà. Et je crois que c'est tout. Ok, on continue avec le prochain œuf. Du coup, sur cet œuf, on a le slime qui s'est rajouté entre le poussin et l'axolot. On a le dragon et le renard. Et celui-là, les gars, c'est l'un des œufs que j'ai le plus invoqué. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez ici, on a un pet renard où il y a marqué point d'interrogation pour essayer de l'avoir en shiny, en rainbow et tout. Et donc, on espère l'avoir aussi dans cette vidéo pour que vous voyez comment il est rare. Je sais pas combien il a de pourcent de chance de drop parce que comme l'ordinateur, il n'y a pas marqué, c'est les points d'interrogation. Mais du coup, j'ai énormément ouvert sur cet œuf, les gars. On l'a appelé l'œuf Minecraft carrément parce qu'il ressemble vraiment à un œuf Minecraft. Mais du coup, on peut avoir un renard très joli. Au moins un renard pour la vidéo. Le jeu, il veut pas, je crois. Un renard. Ok, vous savez quoi? Le jeu ne veut pas me donner mon petit renard. Ce qu'on va faire, très simple, on va boire des potions. Vous inquiétez pas, on va pas boire que des potions nulles. Hop, on va boire plein de potions. On va même boire une potion mythique et exotique. Les divins et supérieurs, je vais les garder quand même, mais... Ok, c'est parti. On y retourne. Go, go, go. Ok, ça charge. Enfin, ça charge. C'est en train d'ouvrir, ok. Attention. Toujours pas. Je vous l'ai dit, il est vraiment rare, le renard. Et je l'ai pas souvent, franchement. Pourtant, j'ai ouvert 1 milliard d'œufs Minecraft, mais j'en ai pas eu beaucoup. Je vais vous montrer à la fin combien j'en ai eu. En fait, j'ai pas envie d'arrêter tant qu'on a pas de renard. Mais je me dis, il est tellement rare que c'est comme si j'avais un huge computer, là. Non, honnêtement, les gars, si vous voulez tout savoir, le renard, il est un peu moins rare que le huge computer. Ça doit pas être un truc de ouf, quand même. Ok, pour l'instant, on va abandonner le renard et on va continuer sur l'œuf d'après parce que le renard, il est beaucoup trop compliqué à avoir, j'ai l'impression. Ok, sur le prochain œuf, en plus du dragon, on a Agonie, très stylé, et un lapin. Cet œuf, je l'ai aussi beaucoup invoqué parce que le lapin fait partie des 3 pets les plus rares de cette mise à jour. Donc, c'est parti. Le lapin, on sait pas combien il y a de pourcent de chance de l'avoir parce qu'il y a des petits points d'interrogation, mais avec un peu de chance, on va peut-être l'obtenir. Moi, je sais que je l'ai beaucoup ouvert cet œuf, donc je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de lapins, et j'en ai même des plutôt rares que vous ferez en fin de vidéo, ou alors même un huge computer. Un huge computer, ça serait cool aussi. Ok, plein d'agonie, plein de dragons. Vous voyez que cet œuf, quand même, il est très cool à ouvrir. Moi, je l'aime beaucoup parce qu'on a des jolis pets, des dragons, des agonies, etc. Le petit lapin aussi qui est mignon. Donc, c'est vrai que celui-là, je l'ai bien aimé. Et même, les gars, au bout d'un moment, il y avait tous les abonnés qui étaient regroupés sur le même œuf que moi. Et on ouvrait tous l'œuf 119. C'était trop rigolo. Ils étaient tous venus. On était au moins 5 ou 6 ou 7 sur le même œuf. C'était super drôle. Ok, un shiny doré. Ouais, pas mal. Malheureusement, on n'aura pas eu de lapin. Mais c'est normal parce qu'il est quand même très rare. On continue avec le prochain œuf. Et là, ils ont rajouté un petit ours accompagné d'un raton laveur. Et du coup, celui-là, les gars, c'est le troisième œuf que j'ouvrais le plus parce que le raton laveur est aussi très rare avec des petits points d'interrogation. Et c'est les seuls œufs où il y a des pets avec des points d'interrogation, à part évidemment le dernier œuf qui est juste là avec 2 pets plutôt rares. Du coup, c'est parti. Un petit raton laveur, ça ferait plaisir. On a des agonies, des ours, plutôt cool. D'ailleurs, ceux qui veulent compléter leur collection de pets, vous pouvez tout simplement aller sur les œufs les plus élevés à chaque fois. Parce que à chaque fois, ils rajoutent le pet le plus rare d'un œuf et ils le mettent dans l'œuf d'après en moins rare. Pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est ce qu'ils font. Donc par exemple, là, Agonie, vous voyez que j'ai 90% de chance de l'avoir. Alors que sur l'œuf d'avant, c'était à peu près 8%. Toujours rien pour l'instant, mais on continue, on n'est même pas à la moitié. Sur le prochain œuf, on a une petite abeille rajoutée et une petite coccinelle très mignonne. Et là, les gars, c'est la nouvelle collection de pets, un petit peu pas en mode complètement robot gris. Donc c'est parti. Premier œuf, qu'est-ce qu'on a de beau? Des abeilles. On n'a pas de coccinelle pour l'instant. Ok, notre première coccinelle en rainbow. Ok, des ours, encore des ours, toujours des ours. Un petit shiny, pourquoi pas. Du coup, cet œuf, je l'ai pas beaucoup ouvert parce que y a rien qui m'intéresse, tu vois. Ok, ça continue. Des gosses. Des rainbows, des shiny, c'est sympa. Par contre, les gars, avouez que la coccinelle et l'abeille, on dirait des Nintendo Switch. Regardez, on dirait trop des Nintendo Switch. Imaginez, c'est un petit clin d'œil du jeu. Malheureusement, il nous aura pas porté très chance cet œuf là. Et c'est normal parce que je l'ai pas beaucoup utilisé. On continue avec le prochain. Et dans celui-là, ils ont rajouté du coup un petit singe et un perroquet. Toujours dans le même style très joli. Un petit peu robotique mais mignon. Donc là, on a des petits singes. Est-ce qu'on a déjà eu le perroquet? Oui, en rainbow en plus. Ok. Alors qu'il est quand même un petit peu rare, hein.
si vous regardez, 0,8%. Des petits singes, des petites abeilles, c'est parfait, c'est magnifique. Dites-moi vous, c'est quel votre œuf préféré en commentaire? Moi perso, je pense que c'est l'œuf Minecraft, les gars. L'œuf Minecraft, c'est le plus beau. Cet œuf non plus nous a pas très bien porté chance. On continue avec le prochain, et il y a un petit paresseux et un tigre. Et le tigre, les gars, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, vous le savez. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir, parce qu'il y a quelque chose en rapport avec les gros tigres, et je vous en dis pas plus. C'est parti, premier œuf. Ok, là on espère avoir des tigres parce qu'il est très mignon. Toujours pas de tigre pour l'instant, toujours pas de tigre. Allez, des tigres très mignons, des tigres, des tigres, des tigres. Toujours pas. Un tigre, oui. Vous avez vu? On l'a eu. Il est trop mignon le petit tigre. Ok, super. Des shiny, des rainbow, c'est magnifique. Encore un tigre, magnifique. J'aimerais bien l'avoir en shiny le tigre. Ou même en rainbow shiny gold. Oh, je l'ai eu en rainbow. Nice le tigre. Nice, nice. Oh, Rainbow Shiny. Non, Rainbow Tigre, pardon. Ok, plutôt cool. Cet œuf, franchement, était pas trop mal. On a eu des tigres Rainbow. Et dans le prochain œuf, on a un flamant rose et un éléphant. Et vous voyez que le tigre est un peu moins rare dans cet œuf-là. Donc, on va peut-être l'avoir encore mieux. Ouh, encore des tigres. Oh là, on a eu plein de tigres, les gars. On a eu des tigres normaux, gold, rainbow. Moi, je veux des tigres Rainbow Shiny. Allez, ok. Toujours pas de Rainbow Shiny tigre. N'empêche, quand on y pense, les shiny sont quand même vraiment rares. Parce que regardez, là, j'en ai pas eu. Là, j'ai pas eu non plus de shiny. Regardez, attention, toujours pas de shiny. Donc, vous voyez que les shiny, on n'y pense pas assez, mais c'est quand même assez rare, sachant que moi j'ai les 100 reliques shiny. En plus, je crois que j'ai 3 ou 4 livres shiny, donc en vrai je suis pas trop mal, mais ça tombe pas tant que ça les shiny, donc c'est franchement pas mal. Ok, plutôt cool cet œuf parce qu'il y a un tiger dedans, mais on continue avec le prochain, qui ressemble quand même beaucoup à l'autre, mais avec un palmier. Et dans cet œuf, les gars, on a la nouvelle collection des robots des abysses, qui sont magnifiques. Donc c'est parti. Oh, un rainbow axolot des abysses. Nous, on veut des pieuvres. Je sais pas si c'est des pieuvres ou des requins. 0,8% de chance, c'est plutôt rare. Là, je l'ai eu. Nice. Ok, vous avez vu. L'abyssile, 0,8% de chance. Plutôt cool, plutôt cool. Des gold et tout. Ok. Encore un abyssile. Parfait, magnifique. Mais les gars, si vous voulez des abyssiles, la technique, c'est d'aller sur l'œuf d'après. Parce qu'il est à 25%. Et d'ailleurs, on a deux nouveaux œufs. Une sorte de poisson pic et un requin. Donc c'est parti. Oula, c'est quoi ce tremblement de terre de fou? Cet œuf, je l'aime aussi beaucoup. Parce que ces pets, je trouve que c'est sûrement les plus beaux pets de la mise à jour. Ils sont vraiment magnifiques. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est quoi vos pets préférés? Mais moi, ceux-là, je les trouve très très stylés. En mode abysso. On a du rainbow, du gold dans tous les sens. Pas beaucoup de shiny, hein. On a l'habitude. Oh, deux shiny. Parfait. Des rainbow, des gold. Plutôt cool, plutôt cool. Et là, les gars, cet œuf-là, il est à moitié buggé. Parce que des fois. Ah oui, vous voyez, regarde, il se décale. Cet œuf, il est trop rigolo. Regardez. Il se décale à chaque fois. Il est pas vraiment au milieu. Trop rigolo. Ok. Et donc, on a dans cet œuf un dauphin. Très mignon. Et un sorte de poisson lanterne. Donc, c'est parti. Allez, on veut le dauphin quand même. C'est le plus rare. Et on n'oublie pas notre objectif. D'avoir un huge computer. Allez, des dauphins. Oh, j'en ai eu un, nice. Ok, maintenant on veut en shiny, en rainbow. Ok, on a des gold, des rainbow. Pas de shiny pour l'instant, c'est compliqué. Est-ce qu'on a eu un dauphin? Non, pas, j'ai l'impression. Oh, enfin, poisson des abysses en shiny. Pourquoi pas? On continue avec l'œuf d'après. Et les gars, celui-là il est magnifique parce que on a une sorte de pet un peu bizarre violet comme ça et un poulpe vert. Qui est magnifique. Donc c'est parti. Oh nice, on a eu le Kraken. Oh, on a eu un nouveau. Oh, les gars, on a eu un nouveau shiny. Incroyable, incroyable. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, vous ouvrez vos œufs par combien? Parce que moi je les ouvre par 71. Ok, on continue, on continue. Oh oh oh, plein de shiny. Let's go. Plein de shiny que je n'avais pas. Je suis très content. On continue d'ouvrir. Oh, shiny rainbow. Oh oui. Incroyable, incroyable. Encore shiny rainbow. Oh les gars, je suis refait. Oh, je suis refait. En plus, 7%, c'est très rare. Comparé à l'autre qui est à 60. Oh, Kraken des abysses dorés. Et arc-en-ciel. Shiny dauphin. Ok, nice. Je l'avais pas. Trop bien, trop bien. On avance la collection. Et bah, vous savez quoi, cet œuf m'a porté quand même plutôt chance. On a eu beaucoup de nouveaux. Et du coup, on a fini la première ligne d'œufs. On se dirige maintenant vers la deuxième. Mais avant d'aller sur la deuxième ligne d'œufs, je vais vous montrer mes masteries. Hop, donc voilà mes masteries les gars. Mais ce qui nous intéresse, c'est les masteries des œufs. Parce que ceux-là, je les ai pas farmés encore. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'ai fait qu'ouvrir des œufs. Donc c'est pour ça que ceux-là ne sont pas très hautes. Mais par contre, ma masterie des œufs, les gars, j'en ai niveau 90 sur 99. Et je vous garantis que c'est très très long d'être 90. Du coup, on a quoi? 20% d'hatch animation speed au niveau 10. Des œufs 10% moins chers au niveau 20. 3% de chance d'avoir des pets dorés au niveau 30. Niveau 40, c'est un œuf en plus. Donc c'est-à-dire que tu peux en ouvrir un de plus. Au niveau 50, tu as 35% de animation de speed. En gros, au niveau 50, ça ouvre plus vite quoi. Niveau 60, tu as 2 œufs en plus. 70, c'est 20% moins cher. Au niveau 80, tu as 1% de chance d'ouvrir des rainbows. Au niveau 90, tu as 3 œufs bonus. Ça, c'est incroyable. Et
encore au niveau 90, c'est bizarre. Tu as 50% de vitesse en plus. Et là, les gars, les deux niveaux 95, vous n'êtes pas prêts. 5 œufs en plus et 30% moins cher. Honnêtement, les gars, 30% moins cher, je m'en fous un petit peu. Très honnêtement, parce que les pièces, on en a à l'infini dans le jeu. Par contre, 5 œufs en plus, c'est très intéressant. Et donc, c'est parti pour le prochain œuf. Alors, sur cet œuf, les gars, il y a une nouvelle collection d'animaux. Et c'est les animaux robots bleus technologiques. Un petit peu comme l'extérieur des murs, comme vous le voyez. Et du coup, c'est parti. Alors là, les gars, on espère avoir pareil, plein de shiny. Des pets qu'on n'a pas. Ok, on a des pumas, des chameaux. Mais nous, on les veut en shiny et en rainbow pour notre collection. Ok, on a eu un rainbow. Très bien, très bien. Même si c'était le moins rare. Nous, on veut l'autre à 0,8%. Ok, shiny pirate arc-en-ciel. On l'a eu tout à l'heure, malheureusement. Oh, 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 what? On a eu plein de nouveaux, les gars. J'ai vu, ouah, j'ai eu plein de nouveaux. Des shiny gold, des shiny rainbow et tout. Ouah, incroyable, let's go. Ok, on continue, on continue. Est-ce qu'on a déjà eu le nouveau pets au moins? J'ai pas l'impression, attends. 0,8%. Vous savez quoi, on va attendre de l'avoir. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Même si je pense sur le prochain œuf, il va être moins cher. Ok, je le vois toujours pas. Il ressemble à une sorte de petit. Oh, c'est là, je l'ai eu, ok, nice. Le puma. Ok, bah on a eu le puma. On continue avec l'œuf d'après, qui est un œuf triangle. Très très stylé. Et donc là, on a un scorpion et un sphinx, les gars. Et les anciens le savent, dans le monde numéro 1, le sphinx était très rare à avoir. Et du coup, là, bah, c'est 0,8%. Donc c'est pas très rare, mais c'est quand même un petit peu rare. Et vous voyez qu'on vient de l'avoir, même en gold. Donc comme quoi, les gars, il est pas non plus ultra rare. Oh, on l'a eu en rainbow en plus. Trop bien. Et j'ai vu qu'on a eu un nouveau pet. Aussi. Ouais, nice, 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 nice. Un shiny rainbow qu'on n'avait pas. Trop, trop bien. Oh, le shiny sphinx. Très bien, très bien. Parce que 0,8%, c'est très compliqué. Shiny puma, incroyable. Et du coup, les gars, cet événement vous permet de compléter votre collection de pets. Et c'est vraiment cool. Ok, c'est bon. Maintenant, on se dirige, les gars, sur le prochain œuf, le cactus. Et dans le cactus, on a une vache et un taureau. C'est parti. Hop, on a plein de trucs sympas. D'ailleurs, les gars, cet événement est très cool parce que c'était un événement assez communautaire. À chaque fois que je me connectais sur le jeu, bah, comme vous le voyez en haut à droite, je joue avec tous mes amis. Et en plus, regardez, là, j'ai littéralement tout le serveur en amis. Ninou, les gars, c'est la modératrice du clan. Là, il y a Guillaume de la team GK, vous le connaissez bien sûr. Ici, il y a moi, en troisième position. Malheureusement, les gars, je suis que niveau 16 parce que Guillaume, il m'a rattrapé. Ninou, elle était déjà un petit peu devant moi. Sauf que Guillaume, c'est un petit filou parce que il faisait toutes ses quêtes, etc. Alors que moi, les gars, je voulais pas faire mes quêtes. Je me suis dit, pourquoi faire mes quêtes alors que je peux juste ouvrir des œufs pour avoir des huge. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait aucune quête. Je suis niveau 16 depuis le début de la mise à jour. Mais vous inquiétez pas les gars, dès que l'event est fini, je vais faire toutes mes quêtes et je vais rattraper tout le clan et je vais rattraper Guillaume. Ensuite on a plein d'abonnés, Bouffer Enzo, Théo, Mati, Coco Pops, David, Petit Ange. Donc c'est très cool, c'est un événement où il y a plein de gens. On est avec tous nos potes, tous nos abonnés, on est avec vraiment tout le clan et c'est vraiment incroyable. Et Petit Ange qui nous dit qu'il reste plus que 300 ordinateurs. Ok, on a fini sur cet œuf. On a beaucoup parlé sur l'œuf cactus mais on n'a pas eu grand chose. Sur cet œuf, qu'est-ce qu'on a de beau? En plus, on a un petit chat et un petit chien dans le même style mais avec un chapeau de cowboy. Donc c'est parti. Ok, on a des rainbow, des gold, pourquoi pas. Mais vous le savez, le plus rare les gars, c'est les shiny. Donc on veut quoi? Des shiny. David qui nous dit qu'il a plus de vie, ça fait une semaine qu'il ouvre des œufs. MDR, moi aussi. Oh, nice, shiny. Ok, je les avais pas. Oh, encore plein de shiny que j'avais pas. Nice. D'ailleurs, je crois que les gars, c'est bugué. Parce que quand tu as un nouveau pet, il y a marqué nouveau partout. Alors que t'en as eu un seul nouveau, tu vois. Mais il y a marqué nouveau partout. Donc c'est trop stylé, mais c'est un peu perturbant. Ok, l'œuf cowboy nous a pas porté énormément de chance. Donc on va aller sur le prochain. Et dans celui-là, on a une sorte de petit chevreuil, une antilope et un griffon. À 0,8%. Imaginez, on a le griffon en shiny, ça serait incroyable. Ok, des rainbow cats, magnifique. D'ailleurs, j'aimerais bien voir le nom de la chèvre. Oh, 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 incroyable. On a eu un shiny rainbow. Alors, attendez, je vais essayer de concentrer mes yeux. Ouais, rainbow take goat, ok. Donc, c'est pas une antilope, mais c'est une chèvre. C'est vrai que des fois, les animaux, ils sont tellement mignons qu'on n'arrive pas trop à savoir. Ok, et ok. Du coup, on passe au prochain œuf. Et là, les gars, ils ont rajouté un œuf entre les deux. Donc, c'est assez rigolo. C'est un œuf robot, mais glacé. Donc, ça, c'est une sorte de boucle. Ici, on a une sorte de je ne sais pas trop, très bizarre, c'est quoi ce truc, une sorte de renard et ici une sorte de chauve-souris. Et donc là les gars, on ouvre les nouveaux œufs qui sont des œufs robots gelés. Ok, nice, shiny griffin. On a eu une chèvre shiny dorée. Ok, on a des dorés, des rainbows. Oh nice, oh plein de nouveaux. Ok, nice, shiny frostlight. On ne l'avait pas. Un rainbow aussi, très cool, très cool. Ok, toujours des gold, toujours des shiny, toujours des rainbow. On a l'habitude, on a aussi beaucoup de pets normaux et je trouve ça plutôt cool. C'est plutôt sympa aussi parce que tous les pets, quand vous les ouvrez, en fait, les plus rares, ils sont directement au milieu de l'écran et tous les moins rares, vous le voyez, ils sont tout autour. Donc en gros, tout autour, il y a les normaux et oh, nice, un shiny. Ok, je l'avais pas. Et du coup, tout autour, vous avez les pets normaux et au milieu, les rainbow, les gold, les shiny, etc.
Ok, c'est fini pour cet œuf, on passe au prochain. Et c'est l'avant-avant-dernier, les gars. L'avant-troisième meilleur œuf. Et donc, on a quoi? Le renard, on a la chauve-souris, on a un joli cerf et un guépard. Donc, c'est parti pour l'avant-dernier œuf. Là, les trois derniers vont coûter plutôt cher en argent. Donc, j'espère que j'ai fait le plein. Normalement, les gars, j'aurais de quoi acheter tous les œufs. Parce que regardez, j'ai 22 milliards de lingots. On continue. Oh, nice, nice, nice. Shiny rainbow. Ok, ça continue. Shiny, waouh, waouh. Nice, shiny gold aussi. Ok, je les avais pas. Encore un shiny que j'avais pas. Avouez, les gars, c'est une vidéo très satisfaisante. On ouvre tous les œufs du jeu. C'est très satisfaisant. Même si je pense que la plupart d'entre vous en ont marre d'ouvrir des œufs. Parce que ça fait une semaine qu'il y a l'événement. Et moi aussi, les gars, j'en ai marre. L'événement va être enfin terminé. Après je ne sais combien de temps, on en a marre. Oh, what? OMG! OMG, 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 OMG. Guillaume, il l'a eu. What? OMG. Regardez dans le chat. GK YouTube H exclusive Happy Computer. Tout le chat est en délire. GG, GG. Bah, GG Guillaume. Wesh, incroyable. Il est trop chanceux. Mec, il a eu trop de chance. Après, il a eu que un normal, tu vois. Pas doré, pas rainbow et pas shiny. Mais il a quand même eu un huge. Wesh, je suis choqué. Gros GG à lui. Gros GG. D'ailleurs, petit point sur l'avancée. Mais il ne reste plus que 330 huge. Donc ça va être très compliqué. Donc Guillaume en a eu l'un des derniers. Gros GG à lui. Et nous, on continue notre aventure. C'est parti. Des rainbows, des golds, des normaux. Dommage que Kim n'était pas dans le serveur avec Guillaume. Parce que sinon, elle aurait été choquée de voir ce qu'il a eu. Oh, je viens de voir un shiny qu'on n'avait pas. On veut des léopards shiny rainbow. Bon, c'est un peu rare, j'avoue. Toujours rien. Et ok. On passe à l'avant-dernier œuf. C'est parti. Celui-là, les gars, on a l'arrivée du petit ours polaire et de la chauve-souris. Et qu'on retrouve aussi dans le dernier œuf. Donc ça fait très plaisir. Parce que là, on ouvre des pets qui feront partie du dernier œuf. Donc ça fait très plaisir. Et en plus, cet œuf-là est très joli. Moi, je l'aime beaucoup. Un œuf glacé avec des petits pics de gemmes comme ça qui sortent de l'œuf. Ok, rainbow. Toujours rien. Des gold, des normaux, pourquoi pas, des shiny aussi. Ok, le shiny léopard, je l'avais malheureusement. Ninou qui nous dit, oh ça va, t'es pas malheureux, en drop toi non plus. J'avoue que je me plains pas, vous verrez à la fin, j'en ai eu pas mal. Malheureusement, je n'ai enregistré aucun. Je n'ai pas enregistré mon écran, les gars, à chaque fois que j'en ai eu. Mais c'est normal en même temps. Vous pensez que j'allais enregistrer mon écran pendant une semaine entière? Non, mon PC, il aurait été mort, les gars. J'aurais eu 100 heures de vidéo, les gars, ça aurait été impossible. Je pouvais pas trop les filmer, mais j'ai pris quelques screens de temps en temps, donc vous verrez tout ça après. Bon, je pense que l'avant-dernier œuf ne nous porte pas beaucoup chance, donc on va directement changer, hop. Et on va aller sur le dernier œuf avec Guillaume. Donc c'est parti. Sur le dernier œuf, les gars, on a les deux mêmes qui sont là que je vous ai dit tout à l'heure. On a en plus un petit ours. On a un Yeti qui est très très rare, 1%. C'est l'un des pets que tout le monde utilise parce que c'est normal. C'est comme le cobra, vous vous rappelez. Ici, on a le bonhomme de neige qui est aussi rare que le toucan. Et j'en ai eu franchement pas mal. Et on a le MK, les gars, qui est aussi rare que Sun Angelus, sachant que je n'ai jamais eu Sun Angelus. Mais le petit MK, j'en ai déjà eu un. On a aussi le Huge Computer, évidemment, et on a les Huge en rotation. Donc là, la rotation du jour, c'est l'abeille, qui vaut 35 millions. Il y en a 1000 qui existent. Le petit chat, 20 000 qui existent, et 25 millions. Et 12 000 qui existent pour celui-là, et 32 millions. Du coup, c'est parti pour le dernier œuf. Allez, on espère avoir autant de chance que Guillaume. Ça ouvre. Ok, Guillaume qui a disparu. Oh, what? Guillaume qui vient de réapparaître devant nous. Oh, c'est très long. Allez. Au moins un petit bonhomme de neige, s'il vous plaît. Non. C'est fini. Non, l'événement est fini. Non, s'il vous plaît. Non, pourquoi? Non, l'événement, il est fini. Non, il n'y a plus de huge. Non, il n'y a plus de computer nulle part. Sur aucun œuf. Oh non, il n'y a plus de computer, c'est fini. Bon bah les gars, on a ouvert tous les œufs. Aucun n'a vraiment été très chanceux, honnêtement. Mais du coup, maintenant on va passer au moment que vous attendiez tous. Et du coup, bah, on va se retrouver pour vous montrer un petit peu toutes les réactions que j'ai, les screens que j'ai, etc. Et surtout pour vous montrer les pets que j'ai eu. 1, 2, 3, 9. Et du caoutchouc, perso Demon Slayer. Oh! Let's go. Incroyable. What the fuck. Attendez les gars, j'en ai avoir une dinguerie sur un jeu. Bon, vous comprenez pas, mais attendez, j'ai une dinguerie, je vous jure. Parce que quand je vous ai dit que je jouais à deux jeux en même temps, je joue vraiment à deux jeux en même temps. Ok, bah GG. Du coup, c'est parti pour le récapitulatif. Et là, vous êtes prêts. Incroyable les gars. Un lapin cyber arc-en-ciel brillant. Il y en a que 39 dans le monde. 39. Il est plus rare que certains Titanic. C'est incroyable. Oh là 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 là.
Lui, les gars, je l'adore de ouf. Je l'adore tellement. Incroyable, incroyable. Ok, les gars, maintenant on passe au plus intéressant. Les huge computers. C'est parti. Donc, je vais marquer computer. Et là, les gars. Oh là 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 là. Regardez tout ce que j'ai eu. Alors, je vais dire malheureusement, mais c'est pas pour me plaindre, mais je n'ai pas eu de gold. Dans tout ce que j'ai hatch, je n'ai pas eu de gold. Alors, pour certains, ça va être beaucoup, je sais. Mais rappelez-vous que les gars, depuis une semaine que l'event est sorti, j'ouvre tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout le temps, même la nuit, tout le temps, tout le temps. Donc c'est peut-être normal que j'en ai plus que vous, parce que peut-être que vous avez moins joué que moi. Du coup, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai eu. Et je crois que c'est dans l'ordre, parce que en fonction du niveau, vous voyez lesquels j'ai eu en premier. Donc mon premier, je crois que c'était un shiny. Il y en a 20 000 dans le monde, il vaut 57 millions, je suis très content. Donc un petit shiny. On a eu un normal après, à 16 millions. Donc il y en a 1 million qui existe, c'est normal. On a eu un arc-en-ciel aussi, 32 000 qui existe et 56 millions. Vous voyez que pour l'instant je leur ai mis aucun charme et c'est normal parce que j'aime bien les laisser comme ça. On a eu un deuxième shiny, donc très content. Ensuite on a eu deux normaux, juste ici. On a eu un rainbow, encore une fois. On a eu un normal et un autre normal en dernier. Donc j'ai pas eu de chance dans les 2-3 derniers jours malheureusement. Mais je vais pas me plaindre, je vais pas me plaindre parce que j'en ai quand même eu 9 et c'est incroyable. Donc maintenant je vais les équiper dans la salle VIP pour pas que des gens voient mes petits huge secrets. Parce que sinon ils vont se faire spoil de la vidéo. Hop hop hop, on les met, on les met, on les met. Et voilà. Oh là là, regardez-moi ça. Plein de PC qui se baladent. Regardez, ils sont pas beaux là. Ils sont magnifiques. Du coup, il me manque juste un gold, les gars. J'irai peut-être l'acheter dans la plaza. Et puis, évidemment, si vous jouez sur les mots, il me manque aussi un shiny gold et un shiny rainbow. Du coup, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. On a eu pas mal de chance. C'était très sympa. Et puis, ciao !